thank you À tous et bienvenue dans cette vidéo. Après avoir vu que le go Boom Mobile était la compostard des HDV 9, 10 et 11, on va voir le retour de la hache, la hache de la Valkyrie en HDV 10 qui va casser du bois, qui va casser des bâtiments. Lors de la dernière mise à jour, la Valkyrie subit un lifting, mais un lifting esthétique, un peu plus jeune, un regard un peu plus agressif déterminée, mais elle n'a pas forcément subi un lifting en termes de euh, sa capacité de frappe qui était déjà assez élevée depuis la mise à jour qui a été faite il y a quelques mois. Je vous propose dans cette vidéo 4 gameplays HDV10, dont 3 en fait vrais HDV10. Un quatrième sur HDV 9.5, vous voyez ici défiler un petit peu le design des différents villages. Comme ça, ça vous donne une idée des villages qu'on va voir lors de cette vidéo. Et pour chaque village, vous avez le temps qui a été indiqué, enfin à quel moment commence le gameplay, si un village vous intéresse beaucoup plus. Autre. En tout cas, je vous propose vraiment comme d'habitude de très jolis gameplays et c'est vraiment du full Valkyrie. Ça va nous changer, ça va nous faire sortir du monopole du Gobo Moubal qui est vraiment qui monopolise tout. Et donc, la composition, vous allez voir ici qui est principalement basée sur du full Valkyrie. Évidemment, 17 Valkyrie en moyenne dans quasiment tous les gameplays. 4 guérisseuses pour certains gameplays plutôt 6, puisqu'il y aura un double walk à QH et Bullistwall quand on va le voir, on commence par le premier gameplay avec le joueur Balas Blaise du clan Panam. Donc je remercie le joueur ainsi que le clan et tous les clans qui me permettent de partager des gameplays avec une composition AQH. Qui commence par l'accuhage plutôt vers la pointe sud du village on est sur un HDV 10 quasi maxé hein, bien bien avancé dans le maxage de ses troupes il envoie un petit cochon pour déclencher château de clan évidemment vous avez des valkyries il faut absolument absolument éliminer le château de clan car euh, surtout si vous avez là vous avez un bébé drague et un ballon et, et en troupe d'attaque vous avez que des valkyries qui peuvent évidemment cibler que ce qui est en sol donc elles vont se faire rapidement éliminer par les ballons et les bébés dragons. Donc voilà, Shadow de clan éliminé grâce au sort de poison et à la reine qui a été enragée. Un petit peu plus sur l'écran, on ne voit pas, mais ça va arriver. Je me suis un petit peu trompé <laughs> lors de l'enregistrement. Voilà, on voit que sur la pointe est, il a fait un walk balliste pour détruire les bâtiments. Et entre les deux, entre la reine et les ballistes, on en voit quoi On voit les Valkyries toutes. Les Valkyries ensemble, en enrage. On met le sort de saut, il faut absolument que ça rentre à l'intérieur pour le détruire rapidement. Et on enrage encore avec troisième rage à l'intérieur, parce qu'il y avait toutes les Teslas, les deux TDE multi, plus les Arc X. Et donc voilà, Valkyries enragée, catastrophe assurée, si on peut dire pour l'adversaire en tout cas. Donc là, ça a bien éliminé les défenses qui vont être un petit peu les plus cruciales pour défendre. Donc les Teslas, plus surtout les Arc X qui targetent de loin, et les TDE multi. Donc là, on voit évidemment l'attaque. En tout cas, il y a plus, il y a plus de Valkyrie, qu'elle va plutôt se focaliser l'attaque sur un finish des héros. Là, on voit que le petit malheureux géant est coincé sur un mur avec il ben, monopolise malheureusement, malheureusement, deux guérisseuses qui auraient pu venir un petit peu en appui pour le roi. Heureusement, la reine, elle a toujours sa capacité. Elle est euh, guérie par les guérisseuses, donc elle va pouvoir éliminer progressivement. Tous les bâtiments. Donc on est sur un village de type ring, un village qui est typiquement euh, HDV11, normalement un design. Je parle du design évidemment, et qui on trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus souvent maintenant parmi les HDV euh, 10. Et donc voilà un petit peu sur ce type de village. Honnêtement, je pense que la composition Valkyrie est la plus. la plus appropriée, la plus conseillée peut-être, puisque... On a quand même deux grands boulevards de part et d'autre. On peut avoir, espère avoir la reine d'un côté, puis Valkyrie qui rentre en milieu, le roi de l'autre côté avec les alors qu'il a malheureusement perdu parce que les, les guérisseurs sont focalisés sur le géant. Mais je pense que ce, euh, sur ce type de village, vraiment, les Valkyries vont faire un désastre. On continue avec l'attaque de. Benjoul du clan Larena, également en AQH17 Valkyrie, sur un village un petit peu ring, mais avec des compartiments à l'intérieur. Vous voyez comment il a protégé l'HDV, euh, avec des compartiments tout autour. Bien qu'il y ait quand même une faille au niveau de la TDE qui est à côté de la reine, puisque là, à ce moment-là, il n'y a, a qu'un qu mur, il n'y a pas plusieurs remparts, ligne de remparts à, à, à dépasser. On va voir comment Benjoul a procédé à cette attaque sur cet HDV. 10 qui est en évolution, qui est presque entre, entre l'HDV 9 et 10, on va dire qu'il est 9,5 dans le sens où il est à 50% de maxage. Voilà. Donc il commence par un AQH, comme on peut le voir euh, sur la pointe nord. Donc là, le but est d'éliminer, évidemment, avec un AQH. On élimine un maximum de défense. Donc, le tout, c'est de, de protéger par la suite les Valkyries. Et surtout, surtout, d'orienter les Valkyries vraiment directement sur les plus grosses défenses, à savoir les TDE et les Arc-X, au mieux quand on fait l'attaque de ce type. Là, il a très bien ouvert avec les sapeurs pour que la reine rentre à l'intérieur du village. Là, on voit qu'il a attaqué. Il a plutôt tanké avec un golem. Il a ouvert avec les sapeurs. Ça, c'était très bien joué. De sa part. Donc là, nous avons deux francs d'attaque. Euh, la reine qui est vers le haut. Le roi avec le golem vers le bas. Le château de clan a été déclenché par l'arrivée de la reine. sorte de poison. Surtout là, il y avait. Je pense qu'il va enrager, obligé parce qu'il y a un dragon. Et ballant deux sortes de, de poison. Mais finalement, non, pas besoin. Pas besoin. Il a quand même pas lâché l'affaire. Donc. Donc très bien pour l'instant sur la pointe sud on voit que la progression du roi est plutôt pas mal ce qui va faire que les Valkyries vont aller détruire les bâtiments qui sont entre elle et la reine ce qui va être fait et je pense on va voir qui va Sûrement poser son sort de saut. Je pense qu'il va le garder puisque les, les Valkyries ne sont pas targetées, Ils vont pouvoir rentrer. Voilà le sort de saut. Il vient d'être posé sur le compartiment central avec un sort de rage et un sort de gel cette fois-ci pour bloquer la TDE multi. Et donc là, bah, évidemment, un carnage surtout avec un sort de gel où elles sont pas targetées. Là, les guérisseuses ont pris cher. Il y avait une concentration de euh, bombes aériennes. Elles ressortent rapidement dehors et donc avec l'appui de la reine. Ça va faire un carnage. Donc, vous voyez ici que les Valkyries sont quand même restées jusqu'à la fin la fin de l'attaque, malgré que, malgré que certains ont quand même fait un salto grâce à cause plutôt des pièges à ressort. Encore une fois, très bien joué. Donc, vous voyez que la stratégie est vraiment de déblayer un maximum avec la reine d'un côté. Ensuite, à l'opposé, envoyer là, c'était un golem ou alors des ballistes pour déblayer. Et entre les deux, envoyer les Valkyries pour que ça rentre la suite cibler directement le HDV troisième gameplay toujours avec Benjoul du clan l'aréna sur un HDV 10 également avec la même composition je crois qu'il y a une Valkyrie de plus cette heure c'est les 17 la 18 si je ne dis pas de bêtises on commence par la QH, nous sommes cette fois-ci également sur un HDV 10 de type ring voilà donc tournant on euh, parle français, hein. un cercle, ring c'est cercle, circulaire. Château de clan a été déclenché, donc dragon plus ballon. Évidemment, dans cette composition, il faut absolument éliminer le château de clan. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète rapidement, et ça, ce sera le boulot de la reine. Donc il faut absolument se débrouiller pour déclencher le château de clan, soit l'aide d'un cochon, comme on l'a vu dans le précédent, dans le premier gameplay, pardon. Euh, soit que là, par exemple là le cas était un peu plus facile puisque le château de clou était déclenchable de l'extérieur par la reine qui fait bien son travail de nettoyage, de déblayage il temporise voilà il envoie un sapeur pour faire rentrer la reine à l'intérieur pour aller chercher plus facilement les bâtiments défensifs il a envoyé un géant plus un golem pour tanker vers le haut la ligne de sorcier pour déblayer un maximum le roi pour appuyer derrière, surtout que maintenant on voit que le Golem est targeté par deux TDA. Le canon et euh, ce qui va laisser le roi plus ou moins tranquille derrière pour le moment tant que le Golem est vivant en le Golem level 6 et donc ça c'est topissime. Donc voilà, là il va attendre l'avancée en haut du roi plus ses sorciers et là il envoie les Valkyries. Là, on voyait les Valkyries par petit par petite grappe, j'ai envie de dire, histoire de voir où elles vont aller. Donc la deuxième, voilà, deuxième fournée de Valkyrie, bien rentrée à l'intérieur, avec le sort de saut Angèle en orage et en soigne à la sortie du village, regardez la sortie pas du, du compartiment central plutôt, avec le sort de soin, puisqu'il y a quand même des TDS, canons, et euh, qui peuvent faire très 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 mal aux Valkyries. Donc là, la reine qui progresse très bien aussi, parfait. Voilà, on à dire, Donc on voit encore une fois ici la force des Valkyries. Honnêtement, elles n'ont pas perdu de leur force pour raser efficacement des HDV euh, 10. On était sur des arcs X Max C, on était sur des Tesla, des TDE multi maxés également. Donc encore une fois, ça montre la force de, euh, de cette composition. Surtout que là, nous avons. Il y avait quand même des antériennes qui étaient un petit peu à l'intérieur, un petit peu espacées dans le Gobo Mobile. Est-ce que ça a été facile Oui et non Ça se discute, ça se discute. Bon, il y a des pros du Gobo Mobile. Il y en a certains qui le maîtrisent euh, ex de manière excellente. Donc bah, là, là, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Mais pour les autres, sur, sur ce type de village, on peut tout de même utiliser les Valkyries qui ont une force de frappe impressionnante et euh, qui aboutit à un joli parfait. Allez voilà, c'était pour le gameplay de Banjoul. On enchaîne avec la dernière attaque du joueur Doom du clan BFR Frein, friend, friend, donc B B pour Belge, FR pour France euh, et le jeu de mots. Befriend, être des amis. Euh, donc je les remercie d'ailleurs. C'est la première fois me permettent de partager avec vous ce gameplay. Là, donc on est sur un 9.5. Alors 9.5, vous me disiez oui, on a commencé avec les 10. Effectivement, le 9.5, vous le savez, hein, c'est aussi des HDV qu'on trouve énormément. Beaucoup de clans jouent sur le matchmaking. Des fois en gueule, des fois on est content quand c'est à notre faveur et en gueule quand c'est à notre faveur. En tout cas, bon bref, on revient au gameplay. On est sur un compartiment, sur sur un village complètement compartimenté de partout. Ça n'empêche pas de poser un sort de saut pour envoyer les valkyries à l'intérieur avec le sort de soin. Elles étaient également enragées avec l'appui également des bolistes. Donc là, ça rentre quand même un petit peu. Vous voyez que c'est quand même un petit peu plus délicat pour elles de rentrer, de percer dans ce de village où il y a beaucoup de compartiments parce qu'elles vont perdre du temps surtout un elles vont se disperser deuxièmement en se dispersant on va être en groupe de 2 3 entre celles qui sont mortes celles qui ont été éjectées par les ressorts et donc on va avoir du mal à percer les murs et elles vont se faire targeter de loin par les tesla les canons et donc faire gaffe faire gaffe quand vous êtes sur des villages avec beaucoup de compartiments je pense que là les valkyries vont avoir un petit une petite légère difficulté, une petite légère difficulté pour euh, percer et avancer. Donc ça à prendre en considération également. Encore une fois, ça dépend, voilà, si on maîtrise et qu'on est sûr de soi, on peut y aller. Mais là heureusement, nous avons les héros qui font faire le finish. Donc avec la reine qui a sa capacité, le roi qui a sa capacité. Puisqu'on voit ici que finalement, il ne lui reste plus que voilà les deux héros. Le sorcier qui est dehors. Euh, la reine, la a déclenché sa capacité. On va voir comment ça va se finir, à mon avis ça va se finir de justesse cette attaque parce que la reine elle va finir par mourir, il ne lui reste pas beaucoup de euh, points de vie. Elle va arriver sur la Tesla, heureusement là c'était quand même super bon moment bien joué de sa part parce qu'elle a distrait si on peut dire la Tesla avec le sorcier. Bravo à, à Doom pour, cette, pour ce skill et donc ce qui permet de prolonger de quelques pas la vie de la reine, heureusement derrière il a le roi. Qui, euh, qui a encore sa capacité, on constate que malheureusement il a oublié, je pense sur le coup du stress il n'a pas pensé à utiliser les poisons sur le bébé drake qui était euh, au niveau du château de clans il a perdu à mon avis pas mal pas mal de, 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 aussi de valkyrie avec euh, le château de clans donc voilà, la reine là on voit qu'elle est en train d'essayer de percer le petit mur heureusement donc il avait encore la capacité du roi, ce qui va accélérer la destruction du mur lui permettre de rentrer le sorcier qui va dark Targeté pardon De loin à travers les murs Ce qui va par dessus Par à travers les murs Ce qui va lui permettre de faire le perfect La finalement rentrée bravo à pour 2% d'attaque Bravo à tous les joueurs bravo à tous les clans Merci à vous pour ces partages de, de gameplay. si vous avez aimé la vidéo Likez commentez Partagez et abonnez vous Si vous aimez le contenu je vous dis à très bientôt Ciao bye babies